Le mâle. Le mâle avec ses femelles. Hello? Where are you? You're what? Missing it. Get down here right now. Where are you? We're in the tunnel. You have 5 minutes. Get down here right now. Okay. Hurry up. Bonjour petit lapin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle partie de chasse. Suite à ma petite mésaventure dans la vidéo précédente, pardon. Je tournais beaucoup, beaucoup en rond. Donc on remercie bien entendu le chevreuil et le daim, voilà, qui était très complice. Donc aujourd'hui, pour pas vous faire subir le trajet, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente. Pourquoi au lieu de réapparaître ici maintenant je réapparais là, pas bien grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va explorer un peu le nord de la région Rantanfield, et du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va longer, parce que là ici en fait c'est une petite colline, donc du coup faut pas, c'est un peu compliqué pour y accéder. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va longer la plage, on va essayer de découvrir tout ça. Et ensuite, on continuera plus tard explorer toute cette partie-là. Donc, en sachant qu'on a toujours l'objectif de prendre en photo, pardon, un daim. Je sais pas ce que ça va donner. On verra bien si on y arrive ou pas aujourd'hui. Et puis, bon, on verra ce qu'on va découvrir. Oui. Donc là, on est parti pour comme d'habitude, la demi-heure de chasse. Chair. Oh, you found a shed. I remember finding a big deer antler for the first time as a kid. It felt like I had dug up some real treasure. I still have it at home. Oh yeah. Donc de temps en temps, sur la carte, vous découvrez des petits objets ou autres. Ça fait partie aussi des objectifs de la chasse. If you want a neat challenge to pass the time when not hunting, many of the animals are shedding their antlers this time of year. They're still tricky to find, of course, but I guess that's why people like to collect them. Voilà, ce qu'elle est en train d'expliquer, ça fait partie des défis. Si vous trouvez rien en chasse ou si vous ne cherchez pas forcément, voilà, il y a un défi de récupérer les bois des cerfs pendant la période de nuit. Donc on est parti, mes petits lapins. Alors, donc là, le vent, il est face à nous, donc impeccable. Là, on peut découvrir qu'il y a une belle vue ici. Donc j'ai mis un point pour essayer de garder le point de repère. Pour éviter de repartir vers le sud. Je vais pas regarder. Donc là, il est 15h30 dans le jeu. C'est une heure de
on va dire de repos pour les bestiaux, si c'est l'heure de promenade. J'ai. On verra bien. Y a pas grand chose ce truc hein. On va faire c'est qu'on va essayer de faire du gauche droite bien on le marque. On va essayer de bien quadriller la zone là. Ah, par contre, pas bien fait. Très très calme en tout cas. Pas un cri, pas de trace de pas, pas de crotte. C'est merveilleux. Compliqué à monter avec un peu de hauteur, je complique un peu.
Allez. Le vent, nickel, rien. Se rapproche. En fait, il était deux. Ah non, il y a... Oh, il y a eu un... Hein? Elle comprend. Carrément. Oh. Là, la bête qui part là-bas et du coup, j'en ai blessé un autre. Elle était mortelle. C'est dire. Pas loin de moi. Donc un petit mal de 26 kilos, type de trophée le bois, évaluation 34, 100% moins rapide. Ça. Donc on a gagné 624 €. Pour mon droit, omoplate droite. J'en ai blessé un autre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de récupérer du coup. Je pensais que c'était bien, mais... Alors, en général, il revient toujours. Pas trop. Cadeau, ouais, ça. En général, il revient. C'est que je le vends du coup.
Donc là, ça va être compliqué parce que. Il est blessé. Et on a le vent dans le dos. Plus on va se rapprocher, plus il va nous sentir, plus il va s'éloigner. Tant qu'on aura toujours le vent dans le dos, ça sera toujours comme ça. Là, ça peut durer un petit moment. Sauf si la bête mort est assez blessée. On va y aller. Ça part réellement. Vraiment des champs. Et en fait, il était en train de revenir. Ouais, il a pas réussi à monter. Pas réussi à monter. On va y aller tranquille. En fait, j'en ai blessé deux. On va regarder bien la trace de sang, il est bleu. Et l'autre, il est blanc. Donc, à mon avis, j'en ai blessé deux. Donc, on a deux bêtes à récupérer. Eh ben, on n'est pas sûr. Il y en a un qui est mort là. Il y en a un qui est mort ici. Le deuxième. Alors, c'était une femelle, 27 kilos et demi, donc il n'y a pas de trophée. Mort rapide, bah non, ça c'est normal. Donc on a gagné 575 euros et dans le cher. Enfin, la chair, pardon. Ok. Et du coup, le troisième. Là, il faut qu'on le retrouve. Ça doit être le troisième que j'ai blessé. On va essayer d'y aller.
Il est mort là-bas. Et ben on aura eu les trois. Pas trop mal. Comme quoi, ça vaut le coup d'être patient. Tranquille, peinard. Voilà, dans la chair aussi. Un mal de 27 kilos. Type de trophée bois. Mort rapide 0, ça c'est normal. Bonus d'intégrité 100%. Donc on a gagné pardon, 587 euros. Accepté. Voilà. Et bah, on m'a dit que à peine entre 15 et 20 minutes de chasse, 3 bêtes. Bon, je n'ai pas fait exprès, hein. Je vais voir que là. Et je m'attendais pas du tout à ça en fait. Je pensais qu'il n'y en avait qu'un. Et en fait, quand non, ils étaient 3. Bah, c'est pas mal du tout ça. Pas mal du tout. Du coup, ça nous donne. On a revenu sur nos pas. Donc là, je vais essayer d'aller à gauche là un peu. Un marqueur là. Pour avoir un petit point de repère. Je vais essayer de monter vite là-haut. Ça va être chaud pour remonter. Hop. Donc là, il faut pas hésiter à sauter sans arrêt pour grimper. Là, voilà, pour monter, c'est. Ah, c'est pas la peine. Je crois qu'il doit y avoir un passage hein, pour arriver à monter, mais à quel niveau? On va acheter de ce côté-là. Donc du coup, on a eu que des chevreuils. J'ai en train de trop penser à l'objectif là, de prendre en photo un dinde. Faut pas oublier, à mon avis. Je pense que plus on se focalise sur l'objectif, on y arrive. Ah, c'est quoi, c'est... Je crois qu'on essaie de... On va pas le faire aujourd'hui, mais on essaiera de faire un tour sur l'île. Enfin, un peu. On achètera le mirador là. Il y a un mirador en bas. On l'achètera pour le monter et on essaiera de faire quelque chose. L'idéal en hauteur, c'est qu'on voit vraiment tout. J'avais cru avoir entendu un bruit. Ah bah ouais. Je vais revenir sur la route après, je vais regarder un truc. Ah, je suis bloqué.
Alors. Bon, on va continuer par là. On va même prendre le petit chemin à gauche là. Ah, maintenant qui est là. Renard, ça voilà. Bon, pas pour maintenant. Regarde, je suis que voix, mais. Les renards, c'est pas pour moi. Traumatisé. Vous avez remarqué le relief de la carte n'est jamais identique. Ça monte, ça descend. Le paysage change sans arrêt. C'est jamais la même chose à un endroit ou à un autre. Ils ont vraiment beaucoup travaillé là-dessus et magnifique. Alors, un cire et la foule. C'est la même bête, mais pas les mêmes traces de pas, je sais pas. Au moins qu'ils font des sauts de 50 mètres. Ah, on va le perdre encore. Ah, c'est une femelle. Ah, oh, il pleut. Il me disait aussi. Très ancienne. Ah.
Ils sont deux en fait. La femelle, non, c'est deux femelles. Deux femelles. Elle cherche le mâle. Allez. Un troupeau là. Le mâle avec ses femelles. Donc là, ça va être chaud parce qu'ils sont plusieurs. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le mâle. On imagine que les femelles sont pleines. Perdu de vue le mal là. Le vent, il est magnifique. On a déjà fait le tour. Il se déplace très rapidement, qui j'étais en face et je te retrouve derrière moi maintenant. Donc le vent, il va être dans le mauvais sens.
Mais ça perd du temps. Là, il est en train de s'éloigner là. Avec les cailloux, ça fait énorme. Qui vont aller se poser au bord du lac pour la nuit. Là il est là. 17, ouais, 18h. Tous les coups ils vont aller se poser au bord du bassin. C'est le mal en plus. Oh, j'avais plus de balles, c'est pas possible, j'avais pas fait attention. Waouh. Et c'est que ça charge en plus. J'étais tous là, c'est pas possible. Là, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait trop n'importe quoi. Je m'attendais pas à ce qu'il soit vraiment juste devant en fait. Et là j'ai tout perdu. Je crois que j'en ai blessé un. Enfin une plutôt. Là c'est...
Ouais, ça a été nul de ma part. Je m'attendais pas qu'il soit là en fait. Je pensais qu'ils auraient été plus vers l'eau et voilà. Je me suis fait avoir. Ouais, mais. Ah, puis j'avais pas fait attention que j'avais plus de balles. Et je suis sûr que vous, dans la vidéo, je dis, eh, la pute, bah, il va se faire avoir. Bingo. Bingo. Donc là, le vent, bah, fouillé dans mon dos, c'est mort. Ouais, je voudrais avoir le mal, là. C'est con, j'en ai blessé une en plus. On va essayer de dépêcher un peu, essayer de contourner par rapport au vent. Là, ils font du gauche-droite, là. Un coup de droite, après, ils vont aller à gauche. Pas ce que ça va donner hein, mais j'aimerais bien finir par insérer là pour la fin de la vidéo là. L'aura ou l'aura pas? Allez. On prend une grande respiration. On fait bien attention, la carabine est rechargée. Le problème c'est le vent. Le vent il est pas bien du tout. On va essayer de s'écarter un peu si jamais il est sur la gauche. On va reprendre la vie. Pas
Oh, tu vas te noyer là. T'es fou. Reviens. Ah. Il a pas. Elle est repartie au galop. Ah, le problème, j'ai le vent, donc c'est pas la peine. Bon, vous aurez bien vu, la vidéo a largement dépassé les 30 minutes, mais on va essayer de faire finir par un cerf quand même. Elle se déplace d'une façon assez bizarre. Un coup ils sont pas très loin de nous, un coup ils sont à Perpète-les-Bains et au port. Ça n'arrête pas de faire des gauches droites, c'est assez. Voilà, en fait là ils sont revenus. En fait, ils reviennent sur leur pas. Je crois pas. Ils sont passés à ma gauche. Ouais, c'est pareil, il y en a tellement. Et là, je commence à faire de la merde. Faut le dire, faut le dire qui est. Et du coup, là, de l'autre côté, vachement loin là en fait. Je sais pas pourquoi on est la visée. Là, vous voyez qu'il y a en face de vous. Ils sont carrément derrière. Le mal, il est où le mal?
Au moins, il est blessé. Tu vois. C'était largement beaucoup trop loin, mais il est blessé. Du coup, je recharge. Je suis un dingue. Ah, les stars et là, c'est assez particulier quand même. Ça se déplace à la fois très très vite et bizarrement. Ça fait des gauches, droites, ça revient, ça repart. Non, pas là. Et j'ai l'impression qu'on va re finir son autre. La nuit commence à tomber et là, ça va être la merde. Une là. Ah, je retrouve plus les traces. Ah, j'y crois pas. Ouais, je comprends plus rien là. Il y a des traces de sang, mais il n'y a plus de traces de pas, il n'y a plus rien. Celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle est pas mal. Bon, bah. On arrive, il faut aller chercher un œuf.
Bon, mais bah. Je pense que nous n'aurons pas le cerf, hélas. Je sais pas plutôt hélas, mais hélas, ça. Hein? Ah ouais, c'est hélas. Parce que là, bah, du coup, je sais pas si. C'est marrant que dès que la nuit est tombée, on a plus les traces de pas, on a plus la repère. Bah, est-ce que c'est un bug? Est-ce que c'est. Volontaire par rapport à la nuit, ce serait intéressant d'étudier la chose. Bon, et bah, on aura fait tout ça. Ah, vous voyez que ah, il serait parti quand on fait la carte. Par contre, ça nous oriente par là. Ouais, on va regarder un petit truc, hein, mais. Bon, c'était bien ce que j'avais vu tout à l'heure. Et après, la mini trace. Ah, c'est cuit. Bon, eh bah tant pis. Ça sera tout pour aujourd'hui. On a presque fait 1 heure de chasse, donc c'est quand même déjà pas mal. Eh bah je suis désolé pour le star et là, vous ne l'aurez pas. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires positifs ou négatifs, à mettre le petit pouce vers le haut, à vous abonner sur ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle partie de chasse. Et bonne chasse à vous. À bientôt. Ciao, ciao, ciao.